voulez. Je suis designer à la Martinique, diplômé de l'ENSI depuis 2011. Et donc voilà, je suis venu en fait pour participer à ce workshop sur la fabrication digitale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai créé une association de fabrication numérique, en fait, donc une sorte de Fab Lab à la Martinique depuis l'année dernière. Donc cette association, donc un atelier composé principalement d'imprimantes 3D, d'imprimante 3D et puis d'une fraiseuse numérique. Et c'est vrai que j'avais rencontré en fait beaucoup de personnes qui étaient attirées par notre Fab Lab, mais qui souvent en fait ne savaient pas trop quoi faire avec l'imprimante 3D. Je vous avouerai que même moi, en fait, à part faire des pièces pour des pièces détachées en fait pour mes projets, j'avais envie de faire autre chose. Je sentais qu'il y avait vraiment un potentiel de faire autre chose. Et moi, ce qui m'intéressait aussi en fait à travers ce workshop, c'est que j'ai toujours pensé qu'un jour on pourrait coder la matière et faire l'aller-retour entre les deux, d'ailleurs, entre le code et la matière. Et je me suis dit que ce serait sûrement l'opportunité de tester. Donc voilà, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. En fait, l'une des pratiques qui m'a le plus intéressé, et c'est pourquoi aussi je suis venu, c'est principalement en fait le fait de pouvoir apprendre à coder, en fait, apprendre à faire des, en fait, avec des capteurs pour pouvoir interagir avec l'environnement. Et ça, c'est, je pense, quelque chose vraiment qui pourrait que j'ai envie de ramener à la Martinique. Cette idée en fait d'objets qui peuvent vraiment interagir avec les autres, parce qu'en fait la question en fait du lien social, du lien au paysage, du lien à l'environnement est très présente là-bas, et je pense que cette nouvelle pratique là peut vraiment intéresser le public là-bas, et puis même apporter en fait une nouvelle manière de voir les choses à la Martinique. Alors, en fait, sur le workshop, en fait, je ne rencontre pas principalement de difficultés. C'est vrai que une semaine, c'est tellement court, et effectivement, ça génère des frustrations. Ça, c'est clair. Après, voilà, l'idéal, ce serait, je sais que pour le workshop, il va y avoir peut-être une continuité, soit en Espagne, soit en Angleterre. Donc ça, j'espère pouvoir avoir la chance de continuer. Et donc voilà, c'est sûr qu'en une semaine, on n'a pas le temps de tout voir. Par contre, là où c'était hyper enrichissant, c'est d'avoir des gens qui avaient des pratiques très différentes. Et puis, par contre, la même curiosité par rapport à la technique, par rapport à la machine, par rapport au numérique. Et donc, on essaye tous de faire des choses. Et c'est ces interactions-là qui me font découvrir mille et une choses que j'ai envie de tester, quoi. Voilà.